Bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 31 août 2015 du Conseil municipal de Dolbeau-Mistassini. Avant d'aller plus loin, je vais demander l'adoption de l'ordre du jour parce qu'on n'a pas de point corrigé. Pour l'adoption de l'ordre du jour, j'aurai besoin d'une proposition. J'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur Rousseau. On passe au prochain point qui est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2015. Oui, Monsieur le maire, après avoir la lecture, tout est conforme. Alors j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Monsieur Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain qui est le rapport de service finances, liste des dons et subventions. Oui, ce sont des aides aux organismes en date du 31 août 2015. Alors, la consultation s'est faite à la présence de M. Rémi Rousseau, Suzy Gagnon et de moi-même. Alors, on recommande l'adoption de la liste des demandes de subventions et aides aux organismes là, pour un montant de 1 210. Alors, quelques-uns. Cercle des fermières de Mistassini, une demande de subvention de 450. Centraide, une contribution, un don de 100. Municipalité de Saint-Stanislas, Festival du Faisan, la battue des mers, 60 pour deux personnes. Et la Maison Colombe-Veilleux, une subvention supplémentaire de l'ordre de 600. Alors, pour un montant de 1 210. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci beaucoup, Mme Bergeron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. J'ai escamoté un petit point qui s'appelle « Questions à l'ordre du jour dans la salle ». J'avais oublié de vous poser cette question-là. Monsieur que je vois assis sur la banquette, avez-vous des questions sur l'ordre du jour? Non, ça va? Martin? Non plus. Alors, je voudrais saluer officiellement la présence de Monsieur Gino Vallée, qui vient se joindre au groupe émérite de journalistes à la table. Merci. On poursuit au prochain, qui est le quatrième point, rapport de service. Finances, entériner la liste des comptes à payer et à payer du mois de juin 2015. Monsieur Rousseau. Oui, cette analyse-là a été faite en présence de Mme Bergeron et de Mme Gagnon. Les comptes à payer pour le mois de juin étaient de... Les comptes payés étaient de 1 665 714,8 et les comptes à payer de 398 807,88 pour un total de 2 064 521,96. Donc, je recommande l'adoption des listes des comptes à payer, des comptes payés et à payer pour le mois de juin 2015 et en certifie aussi la disponibilité des fonds. Monsieur Hébert, je voulais juste spécifier que je me retirais de ce point. OK. Monsieur Cloutier s'est retiré. Moi aussi. Monsieur Luximard aussi s'est retiré. Alors, il sera noté au procès-verbal qu'avant de prendre le vote, on est informé que nos deux conseillers ne sont pas sur le point et je demande à ce moment-ci le vote sur cette proposition. Merci à tous. On poursuit avec le prochain point à l'ordre du jour, qui est une adoption finale du règlement numéro 1613-15 régissant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, mieux connu sous le nom de PPC-moi. Mme Néron. Oui, M. le maire, qu'est-ce que ça vient modifier, ce règlement-là, comme vous l'avez mentionné, les PPC-moi? Donc, c'est tout simplement d'un ajustement avec les modifications qu'il y a à faire pour s'ajuster avec la MRC. Le but du règlement, c'est le règlement pour objet de permettre à certaines conditions qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à certaines dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur. L'évaluation d'un projet particulier se fait à travers des critères plutôt que des normes strictes. Même s'il permet une certaine flexibilité dans l'approbation d'un projet, le règlement régissant les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble ne permet pas de déroger aux objectifs du plan d'urbanisme ou au schéma d'aménagement de la MRC et de son document complémentaire. Il y a quelques petites modifications du règlement parce qu'on sait qu'il existait déjà ce règlement-là. Donc, l'autre petite modification qui est quand même minime... Non, il n'existait pas. Hein? Pardon? C'est nouveau. Comme projet? OK. Les projets particuliers, c'était tout simplement que l'ajout de la modification, le changement, le remplacement, l'extension d'un usage d'un bâtiment qui n'est pas prévu ou autorisé au règlement de zonage, ou l'implantation d'un projet comportant plus d'un bâtiment principal sur le même site, et aussi le projet doit être conforme au schéma d'aménagement en vigueur de la MRC ainsi qu'à son document complémentaire. C'est les modifications qui ont été apportées à ce qui existait déjà dans le projet. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote à tous. Merci. On poursuit au prochain, qui est une adoption de règlement numéro 1614-15 sur la tarification des services municipaux. Oui, M. le maire, c'est un règlement qui fait suite à un avis de motion qui a été donné le 13 juillet dernier concernant la tarification des différents services que la Ville offre à ses citoyens.
Donc, c'est pour se conformer à la loi sur la fiscalité municipale. Donc, c'est un règlement un peu fourre-tout là, qui va englober plusieurs annexes. Donc, chacune des grilles tarifaires qu'on va adopter ici va faire partie intégrante de ce règlement-là. Et ça va établir, en fait, là, les tarifs pour les différents services et produits qu'on vend. D'ailleurs, au cours de cette rencontre, on a un point là, qui va suivre là, pour adopter une de ces grilles tarifaires qui va constituer un annexe de ce règlement-là. Donc, je fais la proposition d'adopter ce règlement pour la tarification des services municipaux, M. le maire. L'adoption, pour ce point et le point précédent, c'est, comme c'est deux adoptions de règlement, je me dois de vérifier si vous me dispensiez de les lire. Oui, on vous dispense. Et si vous aviez eu copie, évidemment, de ce règlement-là, plus de deux jours avant la séance. Oui. Tout est conforme. Bon. Voilà. C'est un petit peu rouillé. Ça fait depuis le 16 juillet. Alors, sur la proposition de M. Simard, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point qui est encore une fois l'adoption d'une première annexe au règlement numéro 1614-15. La parole à M. Savard. Oui, M. le maire, comme mon confrère M. Simard vient de dévoiler, alors là, on commence les premières annexes, donc ce soir, c'est en rapport à la tarification des bars pour les arénas des deux secteurs, secteur de Lebeau, secteur Mistassini, la tarification des bars, comme je viens de dire. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Savard, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est une demande d'aide financière au programme de soutien aux installations sportives et récréatives, phase 3, complexe Aquagym. Oui, M. Hébert, donc on sait que la piscine, on en a déjà parlé, ça ne va pas s'améliorer. Donc, éventuellement, ça va nous en prendre une neuve. Donc, le but de ce rapport-là, c'est dans le fond, c'est que nous, il faut demander au conseil municipal de confirmer par résolution son désir de déposer une demande d'aide financière pour le projet de construction d'un nouveau complexe Aquagym, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Donc, le ministère de l'Éducation, il y a un programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 3. On est admissible à ce programme-là. Donc, l'aide financière pourrait représenter 50 %. Donc, c'est un projet de 13,2 millions. Donc, on parle d'une aide financière d'environ 7,5 millions. Évidemment, cette aide-là est nécessaire si on veut être capable d'aller de l'avant dans la construction d'un nouveau complexe aquatique. Donc, dans le fond, c'est que la Ville de Lebeau-Mistassini autorise la présentation du projet de construction d'un complexe aquagym au ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre du programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase 3. Que la Ville de Lebeau-Mistassini confirme son engagement à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier. Que la Ville de Lebeau-Mistassini désigne M. Justin Néron, ingénieur, directeur du service d'ingénierie, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet. Puis j'ai oublié de mentionner aussi que le 14 août, c'était la date limite pour déposer la demande, puis ça a été fait par Frédéric Lemieux et Justin Néron. Donc j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain point, qui est le 9e point, résolution pour report du dépôt du rôle d'évaluation municipale au 2 octobre 2015. Oui, en effet, M. le maire, on a mandaté la firme CVMEC BTF de confectionner le nouveau rôle d'évaluation de 2016-2017-2018. Donc, ce qu'il nous dit, c'est que la modernisation des dossiers d'évaluation exige un niveau de vérification élevé afin d'assurer que toutes les dispositions réglementaires soient respectées, que les résultats soient conformes au marché analysé. Donc, après discussion, nous, on a accepté que le dépôt du rôle au lieu qu'il soit fait le 15 septembre, il serait fait le 2 octobre 2015. Ça, c'est en vertu de la loi aussi sur la fiscalité des municipalités qui le permet. Donc, moi, j'en ferai la proposition. Merci beaucoup, M. Rousseau, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est une résolution relative à la quittance et à la radiation d'hypothèques produits Alba incorporés. Oui, M. le maire, suite au financement hypothécaire, dis-je, des produits Alba, alors des sommes dues à l'hypothèque ont été versées. Les paiements finaux, exactement, également l'acquittant, les paiements finaux d'hypothèque, on a reçu un montant de 24 840 $. Alors, j'en fais la proposition et également la quittance qui suit avec ça. Merci beaucoup, M. Savard, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au 11e point, qui est un rapport de service ressources humaines entériné, dotation au poste régulier de secrétaire pour le service de sécurité incendie. Mme Néron?
Oui, M. le maire, considérant qu'à la suite de l'annonce du départ à la retraite de Mme Louise Hébert, qui était prévue pour le 14 août dernier. Simard. C'est ce que j'ai dit, hein? Eh bien, non, j'ai pensé à vous, M. le maire. OK, je recommence. Considérant la suite de l'annonce du départ de la retraite de Mme Louise Simard, prévue que le 14 août dernier, le poste de secrétaire de service sécurité incendie est devenu vacant pour une base permanente. Donc, à cet effet, l'ouverture de poste a été faite à l'affichage à l'interne, conformément aux dispositions de la convention collective existante pour la période du 27 juillet au 7 août. Il y a deux personnes qui ont déposé leur candidature. Considérant que le poste doit être alloué à la personne qui a le plus d'ancienneté, généralement ceux détenant les compétences aussi spécifiques de l'emploi, donc Mme Marie-Ève Perron se voit donc attribuer le poste régulier de secrétaire de service de sécurité incendie. Donc, elle est entrée en poste effectivement le 17 août 2015. Donc, pour nous, le conseil ce soir, c'est d'entériner l'embauche de Mme Marie-Ève Perron au poste régulier, en service, comme je vous ai dit tantôt, depuis le 17 août dernier. Ça, aux conditions prévues de la convention collective des employés, col bleu et blanc. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service sur les ressources humaines. Encore une fois, entériner un remplacement pour un congé de maternité au service des travaux publics. M. Simard. Oui, M. le maire. Donc, bonne nouvelle. Notre municipalité va avoir un citoyen supplémentaire, un nouveau citoyen prochainement. Il faut voir ça comme ça. Donc, Mme Audrey Harvey, qui est secrétaire au service des travaux publics, donc, il va prendre un congé maternité pour une période de 40 semaines à compter du 7 septembre prochain. Donc, un processus qui a été mis en branle là, pour remplacer Mme Harvey dans ses fonctions. Et la personne qui a été retenue, c'est Mme Huguette Prévost, donc, qui est entrée aujourd'hui, je pense, en poste là, pour réaliser une transition pour une période approximative de 40 semaines. Donc, ça, c'est aux conditions prévues à convention collective de travail des employés, col bleu, col blanc, SCFP, local 2468. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain rapport de service, le 13e point, travaux publics, achat en vertu de la politique 1580-14 de gestion contractuelle et pouvoir d'autorisation de dépenses. Je tiens à mentionner que je me suis retiré de ce point, M. le maire. Je l'avais noté ici. Alors, M. Simard s'est retiré du point. Elle sera notée au procès-verbal. Alors, je laisse la parole à Mme Françoise Bergeron. Oui, c'est un rapport daté du 11 août 2015 provenant de M. Denis Boyer, directeur des travaux publics. Alors, ce sont des achats pour un montant de 5 686,89. Alors, les montants les plus élevés sont deux tables de pique-nique avec toit, 4 829,43 taxes net, et une dépense concernant l'achat d'un bureau pour la responsable des communications pour 1 415,26. Et literie pour chalet locatif pour 856,40. Alors, je répète, 5 686,89 taxes net. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci beaucoup, Mme Bergeron, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un rapport de service travaux publics, remboursement des dommages pour pales-planches louées. M. Cloutier. Oui, M. Hébert. Donc, pour information, des pales-planches, c'est ce qu'on installe lorsqu'on fait de l'excavation. On installe des genres de murins là, pour la protection des travailleurs, pour pas qu'il y ait un effondrement. Donc, on a fait ces travaux-là le 27 juillet. Sur le boulevard Vézina, à la hauteur du Canadian Tower. Donc, cette excavation-là nécessitait l'utilisation de pales-planches. C'est des équipements qu'on n'a pas. On les avait loués à construction d'OMI. Et ça a été difficile à installer. Donc, évidemment, quand on est arrivé pour les retirer, ça a été très difficile. Il a fallu en couper. Il y en a d'autres qui ont été complètement brisés. Là. Donc, au bout de la ligne, ça nous a coûté 25 pales-planches. À 513,16, donc on parle d'un montant de 12 829 plus le transport de 833, donc on parle d'un coût taxe incluse de 15 707,88. Donc évidemment, vous comprendrez, c'est pas de la faute des travailleurs, c'est que la situation a fait qu'on a eu de la difficulté à retirer ces équipements-là. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Puis d'autant plus que l'équipement qui servait à retirer les pales-planches était à Terre-Neuve. Ça fait qu'on a été pris de prendre la décision de couper ce qui était bon, puis d'abandonner ce... Ouais, on a su ça que l'appareil qui sert à sortir ça, il était à Terre-Neuve. Ça fait qu'on était un petit peu dans le trouble. Alors, sur la proposition de M. Cloutier concernant ce sujet, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tout le monde. M. le maire, j'aimerais rajouter, je pense que notre directeur nous a quand même dit qu'il y a des morceaux quand on a payé, qu'on a été récupéré, qu'on va quand même pouvoir l'utiliser. C'est important de le dire qu'il y a des morceaux qu'on va pouvoir réutiliser pour d'autres choses.
On a gardé 10 sections de 12 pieds qu'on a conservées, qu'on va utiliser. Alors, on est conscient qu'on a récupéré ça. On va dire comme on dit. C'est important de le dire quand même. On va dire comme en chinois, c'est une bad luck. C'est ça. On poursuit avec le 15e point qui est un rapport d'analyse de soumission contrat 2256-2015, microphone, salle du conseil. Oui, c'est ça. C'est dans le but qu'on m'entende un peu mieux quand je vais parler, j'imagine. Non, on a différents problèmes techniques avec nos microphones. Donc, on a procédé à un appel d'offres. Donc, il y a deux firmes qui ont soumissionné. Et la plus basse étant, le plus bas soumissionnaire conforme, c'est Solotech Saguenay Incorporé pour un montant de 6 726,62 taxes incluses. C'est un montant qui va être financé à même le fonds de roulement 2015 sur une période de 3 ans, dont le premier versement se fera en janvier 2016. J'en fais la proposition. Merci. Je rappelle aussi qu'il avait été adopté au budget, hein, quand on avait été au dernier budget. Alors, sur la proposition de M. Rousseau, votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain, qui est un rapport d'analyse de soumission contrat 2257-2015, traitement de l'abrasif. Oui, c'est un rapport qui émane de M. Denis Boily, directeur des travaux publics, daté du 20 août 2015. Alors, on est allé sur invitation. 5 compagnies ont été invitées. 3 compagnies se sont conformées. Alors, le plus bas soumissionnaire étant SEBCI Incorporé, pour un montant de 10,24 $ la tonne taxe incluse, pour une dépense approximative de 38 904,64 $ taxe incluse, dépendamment de la quantité réellement traitée. Alors, les montants payés en 2013 étaient de 9,21 $ la tonne avant taxe. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est 9,35 $ la tonne. En 2014, c'était 10,13 $ et en 2015, c'était 8,90 $ la tonne. Alors, on voit que le marché de ce produit-là, de chlorure de calcium, est quand même assez volatile. Alors, j'en fais la proposition, M. Hébert. Merci beaucoup sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est un rapport d'analyse de soumission contrat 2260-2015, module de jeu pour divers parcs. Mme Néron. Oui, M. le maire, on est allé sur invitation. Il y a 2 compagnies qui ont été invitées pour des équipements de parcs. Donc, le plus bas soumissionnaire, c'est la compagnie Jean Bette, pour un montant de 18 751,27 $. Donc, ces instruments-là seront installés dans les parcs, le parc des Roulottes, le parc Centre-Ville, le parc de la Colline et le parc Georges Hébert. On sait que l'année dernière, en 2014, on avait acheté pour 26 768 $ d'équipement aussi pour les parcs. On en fait toujours un peu chaque année. Et aussi, à ce montant-là de cette année, qui est de 18 751 $, il va y avoir quand même un montant de 9 365 $ qui va être ajouté parce qu'il y a un équipement qu'on ne peut pas faire autrement que se procurer chez cette compagnie-là, j'embête parce qu'il ne se fait pas ailleurs. Donc, on a un montant total, donc les deux ensemble, ça fait un montant de 28 115 $. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Néron, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain, qui est un rapport d'analyse de soumission, fournisseur de bière, Arena, secteur Delbeau et secteur Mistassini. Oui, c'est un rapport qui émane de M. Claude Godbout, directeur des loisirs, daté du 27 août 2015. Alors, on est allé sur invitation. 2 compagnies ont été invitées. Les 2 soumissionnaires se sont conformés. Alors, nous recommandons l'octroi de la meilleure offre, soit Molson Coors pour un montant d'économie de 12 $ la caisse avant taxe, ainsi qu'une allocation crédit de 50 sous la caisse pour des articles promotionnels. Cette entente étant valide du 31 août 2015 au 31 août 2018. J'en fais la proposition, M. Hébert. Merci beaucoup, Mme Bergeron, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un compte rendu du CCU tenu le 18 août 2015, PIA Centre-Ville, enseigne 243-245 6e Avenue, Borealia, Espace Santé Beauté et Clinique Dentaire Chabot. Et je laisse la parole à M. Simard pour nous expliquer ça. Oui, M. le maire, donc c'est une demande conjointe donc de l'entreprise Clinique Dentaire Chabot et Borealia Espace Santé Beauté. Donc, les 2 entreprises sont situées dans le même bâtiment, en fait, 243-245 sur la 6e avenue. C'est aussi soumis au PIA Centre-Ville, donc c'est la raison pour laquelle on a ce point à prendre une résolution. Donc, c'est une demande pour faire une affiche commune. Les 2 entreprises vont récupérer une ancienne
structure qui était occupée auparavant par la compagnie Azure qui a déménagé. Donc, ils vont utiliser le même espace. Puis c'est très bien harmonisé. Là, on a eu un schéma de ce qui est prévu comme affichage. Donc, les deux entreprises utilisent cet espace-là, la même structure, même poteau. Mais c'est vraiment très bien comme affiche. Ça respecte ce qui est recommandé au PIA. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Simard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci, tout le monde. On poursuit. Le prochain, qui est encore un CCU, du 18 août 2015, PIA, quartier des Anglais, 75 4e avenue. La parole... excusez-moi. Oh, pardon. Excusez-moi. Juste avant. Merci, Pierre. CCU, pardon, le 18 août 2015, PIA, quartier des Anglais, 139 4e avenue. Laisse la parole à M. Savard. Oui, M. Hubert, le 17 juillet 2015, Mme Suzanne Bonenfant déposait des croquis et photos afin de procéder au changement de 11 fenêtres pour des fenêtres en PVC. Un cadrage blanc de type guillotine et 6 carreaux dans la partie supérieure pour la résidence située au 139 4e avenue. L'immeuble est situé, comme vous savez, dans une zone dans le quartier des Anglais où la demande des permis sont assujettis au règlement numéro 1323-07 portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, ainsi que Mme Bonenfant a déposé les documents requis comme demandé pour le PIA, et permettant ainsi la compréhension du projet. Et également, le type de fenêtre proposé à apparence guillotine avec 6 carreaux immobiliers dans le partie supérieure est le modèle privilégié dans ce règlement, puisqu'elle rencontre les critères et jeux de type de ce règlement. Également, son voisin, c'est des jumelés. Alors, 1170 du Boulot a déjà installé ce type de fenêtre il y a quelques années. Alors, je propose, M. le maire, d'accepter les croquis et les photos déposées le 17 juillet pour le changement des 11 fenêtres et 11 fenêtres et les fenêtres des deux portes de résidence situées à 139 4e avenue. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain, CCU, 18 août 2015, PIA, quartier des Anglais, 75 4e avenue. M. Poutier. Oui, c'est un peu le même genre de demande. Là. Les croquis ont été déposés le 4 août 2015. Là aussi, c'est pour le changement de fenêtre, entre autres. Là. Donc, c'est le même règlement, 1323-7. Donc, dans le fond, c'est qu'on recommande d'accepter cette demande-là. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Cloutier, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci. Le prochain, qui est un compte rendu... du CCU, cette fois-ci, du 18 août. Mais il va s'agir maintenant d'une dérogation mineure au 15-008, c'est-à-dire 15-008-234. C'est situé à la 15e avenue. Je laisse la parole à celui qui propose le point, c'est-à-dire Mme Claire Néron. Oui, M. le maire, c'est M. Gaston Chevalier, qui est propriétaire du 211 sur la 16e avenue. Il a déposé une demande de dérogation mineure le 27 juillet dernier afin d'obtenir l'autorisation. Il veut effectuer un agrandissement pour transformer une partie qui est non habitable d'une superficie de 10,85 m² en partie habitable pour l'ajout d'une chambre, alors que le règlement de zonage 1470-11 autorise qu'un seul agrandissement d'une maison mobile et que celle-ci a déjà été agrandie au cours des années antérieures. Considérant que sa demande déposée permettait d'avoir une bonne compréhension du projet et qu'elle était toujours, sa demande était admissible, considérant que le mur de l'agrandissement sera situé à au moins 1,5 m de la ligne de l'eau latérale, tel qu'exige le règlement de zonage, donc une dérogation mineure pour régulariser la marge non conforme du bâtiment existant. Ça avait déjà été accordé, lui, qui avait eu une permission d'agrandir en 2004, qui était supposé se faire juste une véranda. Donc, à notre connaissance, l'accord de la dérogation ne porterait pas atteinte à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins et que la demande respecte le plan d'urbanisme. Et qu'aussi, à notre connaissance, la demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage de construction et de lotissement. Donc, le Conseil recommande d'accepter cette demande de dérogation mineure reçue le 27 juillet dernier afin d'autoriser l'agrandissement pour transformer une partie non habitable d'une superficie de 10,85 m² en partie habitable pour l'ajout d'une chambre. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Avant de prendre cette décision-là, j'aimerais savoir si quelqu'un dans la salle a quelque chose à dire à ce sujet avant que nous rendions notre décision, parce qu'il s'agit d'une dérogation mineure. Non? Alors, je vais demander à ce moment-ci le vote du Conseil de ville. Votre vote, s'il vous plaît. Merci. Adopté. Le 23e point, qui est un rapport de soumission ING 001-2015, construction d'une caserne. Mme Bergeron. Oui, c'est un rapport que nous avons reçu là, du département d'ingénierie, daté du 18 août 2015,
Alors, on a été en appel d'offres public pour obtenir là, des documents de soumission. 4 compagnies ont déposé une soumission. Alors, les 4 sont conformes. Après analyse là, des soumissions, le service d'ingénierie conforme aussi que la plus basse soumission reçue est conforme. Aussi que le montant dépasse le budget prévu. On sait que le ministère considère aussi que le projet est admissible. Alors, je fais la proposition de ne pas accepter la soumission la plus basse, étant donné qu'elle dépasse le budget prévu. Monsieur Hébert. Parfait. Alors, sur cette proposition de Mme Bergeron, votre vote, s'il vous plaît. Merci. On poursuit au prochain, qui est radiation de taxes, taxes SIDAC et facturation diverses. La parole à M. Rousseau. Oui, c'est ça. Ça concerne diverses radiations. Quand on parle de taxation SIDAC, souvent, c'est des commerces fermés ou qui ont failli, à laquelle, où les taxes n'ont pas été récupérées. Donc, on devrait les radier. Il y a différentes factures aussi diverses. Il y a des factures sur des commerces fermés où il y a des factures où il y a eu des ententes aussi avec Maître Hébert. Et puis, différents dossiers aussi à la cour municipale où on ne retrouve plus peut-être les propriétaires ou retrouver les propriétaires, les personnes qui avaient de la facturation. Donc, moi, je recommanderais qu'on fasse justement la radiation de ces taxes-là, des taxes SIDAC et facturations diverses. Vous en faites la proposition. Alors, sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tout le monde. On poursuit au prochain. Qui est programme de revitalisation façade commerciale et industrielle, secteur particulier, gestion IBL incorporée. La parole à M. Savard. Oui, M. le maire, pour faire un rappel, peut-être en juin dernier, le conseil municipal modifiait son règlement visant à créer un programme ayant pour but d'inciter la rénovation des façades extérieures, commerciales et industrielles des secteurs visés au règlement. Alors, ce programme de revitalisation prend 2 formes distinctes reliées l'une à l'autre. C'est-à-dire, pour la première forme, étant le remboursement sur présentation de pièces justificatives, telles que requis par l'officier désigné, soit 50 % jusqu'à un maximum de 2 000 $ du coût des honoraires professionnels relatifs aux travaux admissibles des locaux commerciaux et industriels, et si et seulement si les travaux sont concrétisés. Et la deuxième forme d'aide est l'octroi d'une subvention de 25 % du coût des travaux excluant les taxes applicables avec un maximum de 20 000 $ payables en 5 ans, applicables également uniquement aux travaux admissibles des locaux commerciaux et industriels déjà construits au jour du dépôt de la demande sur la présentation des pièces justificatives telles que requis par l'officier désigné. Alors, les demandes déposées et terminées, on a eu des demandes dont la gestion IBL, l'immeuble qui est des adresses qu'on parle de 1341 à 1361 Wahlberg, dans ces 3 commerces-là, il y a Intersport, RG Juridique et Cinéma Chaplin. Alors après, on dit ici que ces 2 permis étant dissociables l'un de l'autre, il faut les considérer comme une seule demande. Par conséquent, le projet ayant rempli toutes les conditions prévues au programme, devient admissible à l'aide financière, ce autant pour les honoraires professionnels que les travaux de rénovation. Après vérification du dossier, l'entreprise a déposé toutes les pièces justificatives nécessaires à la demande et aura droit à une aide financière pour les frais d'honoraires professionnels, soit un montant de 1 136,75 $ payable en un seul versement, ainsi qu'à l'aide financière maximale pour les travaux de rénovation, comme je disais au début, soit un montant de 20 000 $ qui sera reparti en 5 ans, versement égaux, soit 4 000 $ en commençant en 2015 et se terminant en 2019, Monsieur le maire. Alors, j'en fais la proposition. Merci, Monsieur Savard. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, le 26e point, qui est une demande de regroupement de partenaires La Vie d'enfant, Transport Express Bleu. Oui, Monsieur le maire, c'est un projet qui devrait prendre forme très bientôt. C'est un regroupement. Le projet, c'est fait par le regroupement de partenaires La Vie d'enfant. Ce groupe travaille avec un projet de transport collectif en collaboration avec l'organisme Au Prochain. Eux autres, la demande qu'ils nous font, c'est tout simplement de savoir si la Ville veut participer financièrement pour l'affichage du projet, car le groupe souhaite afficher les différents points d'arrêt dans la Ville. Donc, on sait que ça va être un transport qui va être de se déplacer entre Dolbeau et Mistassini. Ça va être écologique et économique. Ça va s'appeler l'Express Bleu.
Ça va être là pour tous les gens qui vont vouloir en profiter au coût de 2 $ pour le teletransport qui va être offert du lundi au jeudi avec des heures bien spécifiques. Fait que c'est pour ça qu'ils veulent afficher le panneau pour mentionner leur programme, le transport, là, les trajets qu'il y a à faire. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Néron. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est un mandat à la Société d'histoire et de généalogie, banque de noms, rue, lieu public, etc. M. Timard. Oui, bien, c'est suite à une réflexion qu'on a eue au Conseil. On a des nouveaux développements, puis on avait une banque de noms qui datait quand même de plusieurs années. Donc, on a un excellent service ici avec la Société d'histoire et de généalogie. Donc, ils nous ont fait une proposition pour trouver des noms de rues ou de lieux publics. Donc, une banque dans laquelle on pourrait piger pour nommer ces nouveaux développements-là. Et on a aussi on a ce volet-là, là, avec plusieurs étapes, où ce que la Ville va être quand même pas mal impliquée. Là. Il y a de la rétroaction des deux côtés. C'est quand même un processus qui nous plaît pour ce processus-là, pour trouver une banque de noms. Donc, cette phase-là, c'est un montant de 1085 $, mais on a aussi une autre option qu'on a décidé de prendre, c'est de regarder les noms de rues existants et de trouver, un peu pour les familles, il y a beaucoup de noms qui sont des familles, essayer de trouver en l'honneur de qui ces noms de rues-là ont été nommés, essayer de trouver de voir aussi par la suite qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, c'est un montant supplémentaire de 1820 $ pour ce volet-là. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Simard, sur cette proposition. Votre vote, s'il vous plaît. Merci tout le monde. On poursuit au prochain. Annulation de la résolution numéro 15-03-154, rapport de service des loisirs, concessionnaire, restaurant, complexe sportif, secteur de Lebeau. Oui, c'est suite tout simplement au retrait là, du concessionnaire. Donc, j'en fais la proposition, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Cloutier. Le prochain point qui va dans le même sens, rapport de service de loisirs, concessionnaire du restaurant complexe sportif, secteur de Lebeau. Oui, bien, la recommandation, là, suite au retrait du premier concessionnaire, c'est de l'offrir au deuxième. Donc, étant donné que le premier soumissionnaire se retire, que le deuxième accepte le contrat au prix soumissionné, nous recommandons d'annuler la résolution 15-03-154 est d'accorder le contrat à Mme Monique Plourde pour un montant qu'elle devra payer pour le loyer de 3 420 $ annuellement. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci à tous. On poursuit au prochain, qui est radiation de taxes 2014, démo forêt 2000. Oui, M. le maire, on sait qu'antérieurement, depuis plusieurs années, on avait déjà eu un bail amphithéotique de signer avec Démo Forêt 2000. Donc, techniquement, Démo Forêt 2000 avait demandé d'abandonner cette entente-là ou de résilier cette entente-là en 2012. Effectivement, ça a été fait techniquement, mais il restait des choses à compléter. En 2013, on a accepté de radier les taxes aussi. En 2013, on avait passé une résolution. Mais 2014, comme le dossier n'était pas toujours complété avec le notaire et tout ça formellement, donc on demande ce soir d'annuler les taxes de 2014 pour mettre le dossier à jour et d'annuler toutes les choses qui sont en marche présentement. Donc, je propose la radiation des taxes de l'année 2014 pour Démo Forêt 2000 parce qu'on sait qu'en réalité, ça fait plus partie de l'entente depuis 2012. J'en fais la proposition, M. le maire. Sur cette proposition, votre vote, s'il vous plaît. Merci. Un autre point qui est un dépôt du rapport des indicateurs de gestion 2014. Madame Gagnon. Oui. Dans le fond, c'est le dépôt qu'on fait à chaque année après le dépôt du rapport financier. C'est certains indicateurs de coûts qui sont regroupés dans un rapport. Je peux donner l'exemple. Un qui est particulièrement là, intéressant, qui est dans le fond les coûts de déneigement, là, le coût d'enlèvement de la neige par kilomètre de voie. On a des comparables à chaque année. Comme chez nous, au niveau de 2014, c'était à 1956 $ du kilomètre. C'est des comparables qui nous sont bénéfiques à l'interne, surtout pour se comparer d'année en année et de pouvoir être capable de gérer la qualité. Donc, je le dépose au conseil et c'est un rapport aussi qui est déposé au ministère. Parfait. Avant le dernier point à l'ordre du jour, qui est la clôture de la séance, il y aurait des conseillers, conseillères qui auraient des motions de félicitations à faire. Oui, Monsieur le maire, moi j'aimerais féliciter puis remercier surtout le projet d'aménagement paysager qui a été fait à la halte de repos, qui est à la sortie de la ville du secteur de Lebeau en allant vers Albanel, c'est-à-dire face au cimetière. C'est une halte de repos qui fait partie du circuit de la Véloroute des Bleuets, mais qui est sur le territoire de la ville de Lebeau-Mistassini. Je voudrais remercier spécialement la Société d'horticulture, qui est la présidente, Mme Brigitte Boulanger, qui a
la société qui a supervisé ce projet puis l'a mené à terme, puis elle lui a cru, puis elle a mis beaucoup d'énergie dans ce projet-là. Et toute l'équipe de bénévoles qui ont fait partie de la société pour la contribution financière et pour la main-d'œuvre qui a été faite sur ce projet-là la journée même. Je voudrais aussi remercier la MRC qui a aussi pour le même projet les contributions financières et le matériel et du matériel pour la réalisation de ce projet-là. Et un merci particulier à l'entreprise Hortiplus pour la commandite de pavés qu'ils nous ont remis pour ce même projet. On sait que c'est un projet qui totalise plus de 4 000 $ pour la réalisation, sans compter la contribution de la main-d'œuvre parce que c'est tous des bénévoles qui l'ont fait dans une journée. Je pense qu'ils ont travaillé fort, puis donnez-vous la peine d'aller voir la différence. Il y a une belle amélioration, puis c'est un plus pour le secteur, parce que les gens vont vous dire, en vélo, c'était quasiment tannant d'arrêter là, c'était vraiment pas beau. Fait que je pense qu'il y a une belle amélioration, je suis très fière de cet aménagement-là. C'est tout. Merci, on leur fera parvenir cette motion. La prochaine motion, c'est une multimotion. Laisse la parole à M. Cloutier. Oui, bien, c'est pour les festivals, dans le fond. On sait qu'on a eu le Festival du Loiret, donc un gros merci aux bénévoles. Festival Western, oui, ça a été une édition plus difficile, mais quand même, pour remercier toujours l'implication des bénévoles. Le Festival des Brasseurs, évidemment, une belle réussite encore cette année. Puis, Desmaux-Forêts 2000, qu'on a eu la chance d'assister, qui était quand même une belle réussite, là, un bon souper. Puis, et d'âge en heure qu'il y a eu, en fait. Et d'âge en heure, donc félicitations à tous ces gens-là pour leurs implications. Oui, j'aime bien le point que vous soulevez. En fait, c'est les bénévoles qui font activer ces festivals-là et on tient à les remercier particulièrement. Alors, au dernier point, avant la clôture de la séance, quelques petits points. C'est le départ du deuxième Challenge cycliste, la plus grande cyclo sportive au Québec. Alors, ça a lieu ce dimanche-ci à 8 heures. C'est vraiment le coup de départ est à 8 heures. Alors, c'est vraiment intéressant, ça se fait ici en avant de l'Hôtel de Ville, comme l'an passé. Alors, on invite les gens à venir encourager les cyclistes. Il y a déjà beaucoup d'inscriptions qui ont eu lieu. Alors, l'organisation poursuit sa lancée. On a hâte de voir le départ. Je voudrais vous ramener aussi à un point, vous savez, cette semaine, c'est le retour de nos enfants dans les classes sur notre territoire. Alors, il y a des autobus jaunes, là. Ça, il faut les regarder, ils ont des signaux. C'est très important de regarder ce qui se passe. On n'est pas habitué encore de les voir, c'est pour ça qu'ils les mettent au coin des rues pour nous avertir de leur présence à venir. J'en profite particulièrement pour demander aux parents qui vont chercher les enfants dans les zones scolaires d'être très, très prudents et d'être aussi assez patients, parce que souvent, il y a comme un peu de nervosité qui s'empare, puis là, les voitures, ça va dans tous les sens. Alors, on vous demande aux parents d'être très, très prudents, parce qu'il y a d'autres enfants aussi. On a même ajouté de la sécurité là, dans un autre secteur de la ville, parce que là, c'était difficile à contrôler. Alors, je demande la bonne collaboration des parents qui vont chercher ou porter leur chérubin. Alors, sur ce, je demanderai la clôture de la séance. Enfin, la proposition, M. le maire. Merci, M. Cloutier. Et ceci termine notre séance officiellement. Et nous voici à la période des questions de nos amis les journalistes. Bon, alors ça devrait fonctionner. Est-ce que c'est en rapport avec les terrains qui avaient été acquis par en avant ça, de la 7e avenue? Est-ce que c'est là-dessus, cette quittance-là qui est accordée? Je vais laisser M. Lemieux répondre à cette question technique. La quittance, c'est lorsqu'on avait, il y avait eu, le prêt avait été fait auprès d'Alba. Vous vous souvenez, dans le temps, il y avait eu des contaminations dans le réseau des déversements d'huile. Okay. Et la ville avait accepté de réduire la facture et d'aider pour venir en soutien à l'entreprise à financer une partie de cette facture-là. C'est le montant original était de 60 000. Puis, il y avait aussi d'autres conditions, dont la réouverture de la 7e avenue qui avait été recédée à la ville pour qu'on puisse l'ouvrir. C'est, okay. C'est cette quittance-là. OK. Est-ce que ça veut dire, M. le maire, qu'à ce moment-ci, pour la ville de Dolbeau-Mistassini, ça met fin à une possible pas reprise, parce qu'il n'appartient pas à la municipalité de reprendre des entreprises, mais peut-être de voir à avoir un lien pour forcer une reprise des opérations à ce moment, à cet endroit-là. Et est-ce qu'il y a des discussions entre la municipalité et d'éventuels acquéreurs sur cette usine? Il y a quelques mois des discussions avec différents promoteurs. Au moment où on se parle, on n'a pas entendu parler d'autre chose au moment où on se parle.
la ville a fait ce qu'elle devait, c'est-à-dire mettre en contact les uns avec les autres. Et souvent, les gens sont venus nous voir pour demander justement qu'est-ce qui se passait dans ce dossier-là. Mais comme je l'ai répété à plusieurs fois, on n'était pas les agents d'immeubles là-dedans. Puis la preuve, c'est que même quand on avait une dette importante avec les produits Alba, où il y avait une dette envers nous, on n'a jamais mis de la pression pour justement ne pas avoir l'odieux d'avoir fermé l'entreprise. J'ai vu dans certains médias qu'il y avait une personne qui disait que les élus n'avaient pas fait leur part. Je voudrais juste dire qu'on a fait le possible qu'on pouvait dans cette chose-là. C'est toujours malheureux là, quand il arrive une fermeture d'entreprise comme ça. Mais je sais qu'on me dit récemment qu'il y avait encore des gens qui semblaient intéressés par l'acquisition. Alors, c'est le libre marché qui est en train de se faire. Je ne suis pas tenu au courant là, au moment où on se parle de d'autres tractations. Le fait qu'actuellement, dans l'usine, en fait, on a su qu'il y avait de l'équipement qui avait été vendu et sorti de cette usine-là, ce qui hypothèque, si je peux m'exprimer ainsi, une reprise d'opération comme pour une briquerie. Est-ce que là-dessus... J'ai pas beaucoup de commentaires parce que j'ai pas beaucoup d'informations. Ce que je sais, c'est que d'abord, ces équipements-là appartiennent à l'entreprise d'Alba. Peut-être à eux qu'on devrait poser des questions si ces équipements-là, c'est encore valable ou non, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a de la place pour d'autres équipements nouveaux qui pourraient prendre place dans l'usine? C'est peut-être une autre alternative qui se produit, mais au moment où on se parle, je ne peux pas donner beaucoup d'informations parce que le dossier est plutôt au ralenti, je pourrais dire ça comme ça, mais il y a des gens qui semblent intéressés, plus d'une personne semble intéressée à ce type d'entreprise-là, mais je ne pourrais pas vous dire plus pour l'instant. C'est mince, ça. Hein? Concernant la, monsieur le maire, concernant la caserne de pompiers, est-ce qu'on peut avoir des détails? Parce que là, est-ce que ça retarde le projet? Est-ce que ça le compromet? Parce que là, bon, c'est quoi l'écart entre ce que les prévisions que vous aviez faites puis les chiffres que vous avez eus? Parce que là, on n'a pas eu de chiffres, ouais. Je pense que pour les citoyens... Je vais être très prudent dans les chiffres, je n'en donnerai pas vraiment. C'est-à-dire que nous, on avait une idée d'à peu près, pour être allé voir des casernes comparables au Québec, on avait une idée à peu près de ce que ça pouvait coûter. On a augmenté, si vous vous rappelez, dans une réunion ici, on a augmenté notre protocole d'emprunt ou règlement d'emprunt, pardon. On l'avait haussé d'un certain prix de 800 000 $ si ma mémoire ne me trompe pas. Mais quand les soumissions sont arrivées plus hautes que ce qu'on espérait. Donc, on avait le choix d'accepter ou non. Donc, nous avons en conseil, le conseil la semaine passée a pris la décision de retourner en appel d'offres parce que le montant dépassait allègrement le montant qu'on s'est fixé. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais il va falloir analyser le projet dans son entièreté parce qu'on tient à ce qu'il y ait un bâtiment pour cette utilité-là, mais pas à n'importe quel prix. Donc, on va être très, très prudent dans nos chiffres. J'ai entendu un commentaire qui m'a fait un petit peu sourire récemment quand quelqu'un me dit « Pourquoi vous faites ça sous Boulevard Vézina? C'est loin des maisons. » Je me rappelle, dans une autre année, on avait comme voulu la mettre d'un autre endroit, mais il trouvait que c'était trop proche des maisons. Bon, il faudrait qu'on se comprenne, là. La caserne de pompiers, s'il y en a une, elle va avoir lieu sur le boulevard Vézina, parce qu'elle est plus grande, c'est les grands axes. Donc, c'est facile pour les camions de circuler dans cette façon-là. Et je vous rappelle que le terrain nous avait été donné par Résolu, mais ça comporte aussi d'autres difficultés de ces terrains-là. Il y avait, au niveau du sol, il faut faire de la compaction. Donc, c'est tous ces éléments-là qui ont fait dépasser, c'est pas nécessairement parce que l'idée était mal choisie, c'est qu'il faut revoir point par point le dossier de la caserne et le conseil va être extrêmement prudent. Je vous ferai remarquer aussi, encore une fois, qu'on a déjà eu des projets qui dépassaient le budget, je m'en rappelle un entre autres qui s'appelait la salle de spectacle, et M. Lemieux me dit qu'il l'avait regardé point par point pour réussir à dégager des argents qu'on pense qu'ils pourraient être mieux dépensés d'autre façon. Donc, comme on dit dans le métier, c'est à suivre et on va avoir des réflexions qui vont se poursuivre par rapport à ça. Mais quand vous dites réflexion, est-ce que ça veut dire que vous allez revoir le projet à la baisse ou voir s'il y a des endroits de découper ou? Oui. C'est ça, parce que là, c'était, de mémoire, est-ce que c'était 3 millions puis ça a été majoré à 3,8? C'était quoi le montant que vous aviez prévu? Là? C'est à peu près dans les ordres de grandeur que tu as annoncé. 3,8. À peu près, mais cependant, quand les soumissions sont arrivées sur la table, ça dépassait largement ce qu'on avait souhaité.
Mais on est toujours à l'intérieur, je vous rappelle, de l'enveloppe budgétaire que le gouvernement fixe. Il y a un montant à ne pas dépasser. On est encore à l'intérieur de ça, mais le conseil veut vraiment être sûr de faire le bon choix pour être sûr que l'ensemble des citoyens soit en faveur de la décision qu'on prend, parce qu'on ne peut pas prendre des décisions toujours populaires, mais il ne faut pas en prendre trop des impopulaires. Dans le fond, il y a une chose que je peux vous dire, puis moi, ça, c'est mon opinion personnelle, c'est que cette subvention-là est intéressante, mais on va essayer de travailler au niveau des pressions politiques s'il ne serait pas possible là, de majorer un peu ce pourcentage-là, parce que le concept est très, très intéressant. Donc, il va y avoir des rencontres là, qui vont avoir lieu avec différents intervenants pour voir comment on peut sortir le projet au meilleur prix possible et surtout dans le respect du budget. Est-ce que ça va retarder d'une année sa construction? Effectivement, on s'aperçoit que là, on pourra pas, ça ne sera pas prêt à Noël, là, c'est certain, certain. Donc, on envisagerait plutôt un retour aux alentours du printemps, là, si ça se trouve. Monsieur Vallée, pas de questions? Donc, non, moi, oui. J'en aurai un autre, évidemment. Je reviens de vacances. Oui. On est bien heureux de vous voir, M. Potvin. concernant, bon, c'est... Prenez des vacances aussi. Ben oui, c'est ça. Je prends toujours au mois d'août. Il fait toujours beau quand je prends mes vacances. Faut que l'année prochaine, vous me demanderez. Puis je voudrais quand on vous écoute, M. Potvin. Enfin, oui, bon. Concernant le projet de la piscine, j'imagine que ça va être conditionnel à avoir un programme de subvention pour le réaliser. Parce que, est-ce que le fédéral, parce que là, c'est au provincial, est-ce que vous avez sondé du côté du fédéral si le projet pourrait être admissible aussi? J'ai fait quelques approches auprès du fédéral. On essaie de trouver une voie, un sentier à utiliser. Vraiment, on essaie de trouver le bon... à l'heure actuelle, ça vient du côté du provincial, comme on le disait tout à l'heure, 50 %. On a aussi des accords de principe sur le principe général par le port de la MRC Maria-Chapdelaine qui nous appuie dans la poursuite de ce projet-là. Il manque encore, évidemment, dans le montage financier, il manque encore quelques partenaires, surtout des argents. Alors, on travaille par rapport à ça. Puis oui, on a des contacts avec les différents intervenants, que ce soit députés, ministères, etc., pour essayer de trouver là, ce qu'il faut vraiment, parce que ce n'est pas un petit projet, c'est un gros projet. Ouais, c'est encore aux alentours de quoi, 12 millions, 13 millions? 13 millions, quelques 100 000 $, oui. C'est des gros projets. Puis, en voyant justement les soumissions qui viennent de sortir, est-ce que ça peut vous inquiéter dans le futur pour le projet de la piscine? Je ne pourrais pas vous dire si ça m'inquiète d'avance. Là. Je vais attendre de voir... Là. Parce qu'on est encore, on est beaucoup plus loin dans le projet de la piscine qu'on est avancé par rapport au projet de la caserne. C'est vraiment, il y a une différence. On a des préliminaires par rapport à la piscine, mais dans le cas de la caserne, on a eu des soumissions avec des prix. Là, ça commence à être plus sérieux un peu. Mais je ne sais pas, on avait même pensé que ça pouvait être à cause de la fluctuation. On s'attendait, je parle vraiment dans le cas de la caserne, on s'attendait même qu'on avait pris assez, qu'on devait être correct. On était un peu surpris du résultat. Puis c'est pour ça qu'on a pris bien du temps avant de prendre une bonne décision. Puis en plus, c'est que c'est arrivé l'ouverture des soumissions, Frédéric me corrigera, c'est arrivé au début des vacances du Conseil. Ça fait qu'on était une petite partie de temps où il n'y avait pas où personne n'était ici pour... Le Conseil, on était saisi lundi passé là, des grandes lignes de ce qu'on va faire avec ça. Donc... on garde espoir là, qu'on puisse augmenter un peu. C'est surtout dans la lecture du projet, il faut regarder précisément où est-ce qu'il y a des choses qu'on peut aller chercher. Là. Je pourrais vous en donner des exemples. C'est Frédéric qui me contait ça. Dans la salle de spectacle, ils ont remplacé des choses par d'autres choses. Puis ça faisait pareil. Je vais vous donner un exemple bien banal. À l'entrée de la salle, ça devait être de la céramique. Aujourd'hui, c'est du plancher de ciment qui a été aménagé. Ça fait la même chose. Mais il y a eu un montant d'argent sauvé, etc., etc. Donc, tout ce qui était légalement possible de faire, le conseil de l'époque, surtout avec le directeur général et tout le monde des travaux publics, ont regardé point par point, et celui-ci va être regardé point par point. Sûrement des argents qu'on peut aller chercher en quelque part, c'est certain. Merci. À retrancher, je parle. Donc,
donc, ça fait le tour. Est-ce qu'il y a, d'autres questions? Non, ça va? Alors, merci beaucoup. On se revoit la prochaine fois. Dans trois semaines? Dans trois semaines.